Nous allons cet après-midi partager la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 28 et le verset 1 jusqu'au verset 6. Et je vais lire. Une fois hors du danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Elle nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère a sorti par l'effet de la chaleur qui s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu la laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent qu'il était un Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire, et à travers Texas cet après-midi, et sujet que nous avons traité, nous voulons dire que bon Dieu, c'est un bon Dieu responsable. Il est un Dieu responsable. Et surtout, lorsque bon Dieu relève pour une mission, il charge de responsabilité pour prendre soin de nous, à travers, n'est-ce pas, un moment, une mission, ça, et ceci jusqu'à ce que mission prenne fin. Si tu as un mal qui n'a pas gagné pour arriver, ou si tu as gagné pour connaître la mort, ou va connaître après l'accomplissement de la mission de Dieu dans votre vie. À travers livre ça, Actes des Apôtres, au chapitre 28, et nous réaliser, lorsque nous allons dans le chapitre 23, que bon Dieu baille une mission à Paul. Au chapitre 27, à partir du verset 24, il fait sortir Paul pour l'assurance de mission ça. Écoutez, tu as gagné environ 276 moun dans navire ça, dans bateau ça. Côté Paul gagne une mission et pour aller à Rome parce qu'il y a un bagage que Paul fait du côté de Jérusalem. Camper pour défendre le nom de Dieu et puis le ciel content à Paul. Il dit: Paul, vous êtes pour entrer à Rome et vous va défendre le nom même Jean-Fel du côté de Jérusalem. Et c'est comme ça, le long, n'est-ce pas, du chemin et des dangers que Paul fait face ensemble avec eux. Et vous n'êtes pas sans savoir cet après-midi que lorsque mon Dieu relève pour une mission, il n'y a pas dit aucune mission sans danger. Mais il seulement dire que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons considérer le danger du navire. Lorsque bateau à sous de l'eau, et ça l'aurait les navires, les prêts fait face à un vent. Et vent ça, et c'est vent ça dans l'anglais grec là que relait Euraquilon. Vent Euraquilon ça, c'est un vague, c'est un vent d'est. Donc on a bien le nord, le sud, est et ouest. Eh bien, c'est un vent est que généralement grec yo habitué ensemble avec. Et côté nous joignons ça parce que lorsqu'on allait dans la langue grecque, nous joignons, n'est-ce pas, dans l'étymologie du mot Euraquilon, hein, nous joignons Euros, qui signifie vent d'est, et Cledon, qui signifie vague en grec, bien entendu. Eh bien,
Lorsque dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 6, il a parlé dans deux rachelons, eh bien, il voulait parler de ce vent, n'est-ce pas, d'Est qui était soufflé, n'est-ce pas? C'était un vent contraire par rapport à un navire que Paul lui-même était là-dedans. Maintenant, face à danger ça, bon Dieu pourra secourir Paul, ensemble avec staff qui était ensemble avec client, dans une ville qui aurait les Malte. Malte, n'est-ce pas, était située à environ 80 km de la Sicile. Sicile, là, c'est une ville, n'est-ce pas, d'Italie. So, nous avons essayé de comprendre, n'est-ce pas, et Paul part extrêmement loin de côté de Bralé parce qu'il t'a parlé du côté de Rome. Eh bien, là, face à danger, ça, avant, n'est-ce pas, de laisser ça, eh bien, bon Dieu pral utiliser les barbares qui étaient sous terre ça pour secourir son serviteur Paul. Et non seulement l'eau en danger, et aussi saison en pas de bon. Parce que au début, n'est-ce pas, du texte, et dans les chapitres, n'est-ce pas, précédents, Paul même conseillait à ceux-là qui est responsable bateau, hein, il dit à monsieur, non pas qu'à hiverner, dans cette situation ça, parce que la saison était une saison d'hiver. Parce que Paul, n'est-ce pas, les connaît, si dans la saison hiver, ça, la température, ça y est, hein, si, n'est-ce pas, il prend bateau, n'importe situation qui pose sur et sous de l'eau, hein, eh bien, vie a pas en danger. Malgré Paul, le conseiller, le responsable du navire, eh bien, monsieur, yo, en tant que professionnel, il était qu'à comprendre beaucoup plus bien que Paul, le danger, n'est-ce pas, qui est long, mais cependant, monsieur yo, et choisir puis franchir le chemin. Eh bien, et nous n'avons qu'à essayer de comprendre, lorsque le serviteur de Dieu a parlé, c'est toujours poussé par l'esprit. Et c'est ainsi, Paul Lambato après le faire une expérience, mais cependant, bon Dieu après le faire provision pour Paul, et que les barbares, dans tant hiver ça, côté monsieur fait une sortie dans de l'eau glace ça, et puis lorsque il sortit, il réalisé, il a sous terre ça qui aurait les Malte. Eh bien, Barbaro, yo vini et a joindre rescapé ça yo côté monsieur yo ramasser des bois. Et puis yo fait yo du feu, monsieur Barbaro, juste pour ka réchauffer Paul ensemble avec tout staff qui était ensemble avec lui. Et bien, dans ramasser et broussaille, eh bien Paul vient tomber tout lui-même dans ramasser broussaille. Côté dans ramasser broussaille lui-même, Paul là, m'espère comprendre ça qui a passé là. Nous dans une saison et d'hiver, non seulement ce jour-là, la pluie a tombé, puis dire, monsieur, ça a fait face à difficulté, saison en fret, et puis la pluie a tombé. Voilà, barbare, yo-même, yo joignent des bois, puis yo fait du feu, puis yo réchauffer, monsieur, yo, avec le Paul. Côté Paul, il a ramassé bois tout, il a ramassé, n'est-ce pas, des broussailles. Côté, lorsque il a gueule dans du feu, hein, dans broussailles, là, dans paille, n'est-ce pas, apôtre Paul, t'es ramassé, yo, pour qu'il le mette sous du feu, pour le réchauffer, et bien, t'es gon couleuvre là-dedans. Eh bien, aussitôt que Paul l'a gay, n'est-ce pas, broussaille là dans du feu, et puis Pouleuve l'a lancé et sauté dans broussaille là, et puis il taché sous Paul, il pique Paul. Eh bien, monsieur Barbario, qui habitué avec gens d'activité ça, yo, monsieur, yo, dans le texte là, il a pensé tant où est Paul qui pral commencer à gonfler, et puis éventuellement pour Paul mourir. Mais cependant, pas oublier que notre Dieu est un Dieu responsable. Lorsque le baou y a une mission, quelle que serait la nature du danger logé, et n'est-ce pas, le long de la route, Dieu est responsable, n'ayez pas peur. Par contre, une mission que bon Dieu, n'est-ce pas, confie cet après-midi. Mais quelle que soit nature, mission, bon Dieu confie, nous dire que kage danger le long, mais notre Dieu est un Dieu responsable, n'ayez pas peur. Eh bien, on dit que, et vint gagner sa relais et aux yeux, et n'est-ce pas, et des barbares, Paul pral fait ça et fait face à sa relais, il y a un double malheur. Malheur numéro un, c'est que M. Barbare, il a réalisé que Paul a peine sauvé de une situation terrible. Quelle situation liée, lui sauvé, n'est-ce pas, de tempête ça, que nous relais, Urakiloan, parce que dans la tête barbare, il a bagaille très bien. Et que Barbaro connaît, c'est que Barbaro connaît que, et dans la mythologie grecque, vent ça, il a attribué à un faux dieu.
Est-ce qu'on comprend ce qui a passé là? Voilà pourquoi Barbario, n'est-ce pas, il a vraiment attendu quelques choses, livre Paul, parce que il a Paul sorti calté et dans le vent ça, dans la tempête ça, et voilà, il a Paul pas mourir. So, finalement, il a réalisé que Paul, à tout monsieur Sayo, ce sont des gens, ce, n'est-ce pas, extraordinaires. Et voilà, mes amis, et pour, dans les yeux Barbario, Paul sorti face à une situation terrible comme ça, et face à Euraquilon, et côté pour yo même, n'est-ce pas, yo connaît que, n'est-ce pas, vent ça, c'est un vent terrible, vent ça, c'est un vent qui pas baille, n'est-ce pas, et qui pas baille et chance, vent ça, c'est un vent qui touille moun, l'el ou pas penser, vent ça, son vent, et depuis, n'est-ce pas, les toucher ou, eh bien, ou tout là, sous de loi. Mais cependant, Paul sorti. Et Barbario comprend, n'est-ce pas, que de là, c'est un miracle. Et pas oublier, dans la mythologie grecque, là, démon ça, que monsieur grec connaît, qui est responsable du vent, que les, et, n'est-ce pas, Dieu du vent, n'est-ce pas, eh bien, c'est démon ça qui aurait les Némésis. Il y aurait les aussi justice. Et donc, il faut réaliser dans le texte, lorsque Barbaru a parlé de justice, il n'a pas parlé de justice, n'est-ce pas, sur le plan et légal, ou du moins, il n'a pas parlé, n'est-ce pas, de droit, lorsqu'il a parlé de justice, il n'a pas parlé, n'est-ce pas, du système judiciaire, et bien, lorsque il mentionnait justice, il mentionnait exactement démon ça, qui est responsable devant ça, qui est habitué souffler sous de l'eau côté Paul sortir, hein, côté bateau, hein, n'est-ce pas, censé être en danger, hein, côté finalement Paul atterrit sur la terre de Malte, côté Libral fait connaissance avec Barbario. Eh bien, dans mythologie ça, Euraculon ça, n'est-ce pas, c'est un vent qui est toujours occasionné par démon ça, les dieux de la mer qui auraient les Neptune. Et c'est là qui est sorti en Haïti, et il est facile pour comprendre, pour qu'a fait connexion rapide, de songer ça qui était passé du côté d'Haïti, dans bateau, n'est-ce pas, Neptune qui t'a parlé du côté de Jérémie. Eh bien, bateau ça a fait naufrage, et nous pas raconter combien et frères haïtiens qui étaient morts. Eh bien, on dit que, et vent Euraculon ça pour les Grecs, eh bien, démon ça, déesse et dieu ça, dieu de la mer ça qui contrôle le vent ça, l'irrelé Neptune. Eh bien, et dans Dieu Barbario, c'est que Paul sortit en bas Neptune, l'échappait en bas Neptune. Voilà, une fois que Paul sortit en bas Neptune, pour l'arriver, il commence et joindre, n'est-ce pas, il a dit pour le réchauffer la température diverse, la température, n'est-ce pas, et plus, plus vieux ça. Et là encore, monsieur Paul fut sauvé en bas Neptune. Et voilà, lorsque l'arrivé l'a préchauffé, il joint une couleuvre encore qui pique. Finalement, monsieur Barbario, il a déduit, il a dit, nex à son criminel que lié, mais n'est-ce pas, il est sauvé en bas justice, justice bat la vie. Lorsque l'on a parlé de justice là, non, donc, c'est pas une expression de droit lié, c'est bon, une expression juridique liée. Eh bien, justice là, c'est non Neptune, c'est non démon ça, n'est-ce pas, et qui aurait les Némésis. Et il dit que même sorti en bas justice, voilà, mais là encore, mes amis, les vini mourir côté couleur vin piquel. Et puis, monsieur Abtan pour Paul gonfler, monsieur Abtan pour Paul éclater, monsieur Abtan pour Paul tomber mourir. Eh bien, lorsque vous regardez, vous voyez que ça a été espéré, hein, pas passé, eh bien, M. Barbarsayo vient faire une autre décision, n'est-ce pas, de Paul. Dans un premier temps, il était traité Paul de criminel, c'est-à-dire qu'un criminel qui mérite la mort, parce qu'il est sauvé de Neptune, voilà, mais qu'on lève une pique. Eh bien, lorsque vous voyez résultat qu'on lève la papa, c'est façon, n'est-ce pas, il était espéré, parce que qu'on lève un venimeux, ça y est, lorsque vous piquez, n'est-ce pas, venez, vous la gagnez au roi, supposé fort gonfler, et, n'est-ce pas, dans quelques heures ou quelques minutes, ou supposé mourir. Eh bien, c'est résultat ça, M. Barbaro Tapton, mais cependant, résultat pas de gens privés, parce que nous avons un Dieu responsable. Sur ce, je ne connais pas qui ça qui a campé dans l'avion. Je ne connais pas qui sont maladies qui campent dans l'avion. Je ne connais pas, n'est-ce pas, qui type de problème, qui nature problème qui campent dans l'avion, mais je veux, n'est-ce pas, et je t'aimerais qu'on connaisse, n'est-ce pas,